Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec mon chéri. C'est une vidéo que j'ai jamais fait sur ma chaîne, c'est une dégustation américaine, donc sur le site My Little America. Et donc on a effectué quelques achats pour goûter. Et voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Je vais vous montrer comment se présente le carton. Donc déjà il y avait trois trucs comme ça, donc c'était très bien emballé. On l'a ouvert juste pour regarder s'il y avait tout. Il y avait trois trucs comme ça, donc c'était vraiment bien emballé. Je l'ai commandé samedi, je l'ai reçu aujourd'hui, on est mercredi. Il y a la facture, bon la facture il n'y a pas les prix en fait. Mais en fait j'ai numéroté les trucs pour savoir dans quel ordre on va goûter. Donc le carton se présente comme ceci, bon vous voyez pas trop bien. Et voilà, donc première chose que j'ai mise c'est quoi? C'est toi qui as écrit ça ou... Oui, c'est pour dans quel ordre on va goûter en fait. Okay. Donc en premier, on va goûter le beef jerky. Original, c'est bizarre. Ouais. Donc, qui se présente comme ceci. Donc, par contre, vous voyez l'arnaque. Hein. J'essaierai de vous insérer les prix dans la vidéo. Il y en a 4 dedans. Quoi. Ouais. Et c'est la marque Jack Lynx. Je vois pas t'appeler. Jack Lynx. Et il y a 25 grammes. Donc. Oui, il y a pris. Oh, on voit pas les prix. Oh, ça, c'est ce que ça sent? Le barbecue. Ça sent un gros ou un petit? Faut goûter. Un gros. Par contre, c'est un peu dur, fais gaffe à tes dents. On fait chine? Oh. 1, 2, 3. Oh, c'est dur. Ça a un goût un peu de barbecue. De barbecue. Ouais, bof. Non, moi je trouve que c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais c'est bof. Tu veux mettre des notes ou pas? Non. Non, c'est nul ça. Ensuite, le deuxième, c'est le beef jerky au pepper red. Donc c'est au poivre en fait. J'espère qu'il sera meilleur. Voilà. Par contre, il n'y a pas les prix là. Non, il n'y a pas les prix. Non, vas-y, toi, je te donne un gros, donc tu le mets ça. Je sais pas où c'est. Non, le plus gros, le mien, qu'est-ce que tu veux ? Les deux. On prend les deux, tu veux. Le meilleur, celui-là. Au poivre. Ouais. Moi je vous conseillerais plus celui au poivre que celui-là, mais ils ont un peu un goût sucré. Voilà pour ça. Ensuite, le troisième article, c'est des Pringles au jalapeno. Donc en fait, c'est au piment mexicain. C'était censé piquer, on va voir ça. Tu veux pas ouvrir un peu toi aussi? Non. Vas-y, où? Ça sent bon. Tu vois? Je vais te dire si ça sent bon. Mmh. Oh, par contre, ça a arraché. T'aimes? Trop bon. Je vous le conseille. Mais par contre, ça pique un peu pour ceux qui aiment pas le piquant. Ouais, ouais c'est bon, je trouve. C'est vrai, c'est bon. Ensuite, le quatrième article, les Pringles aux pizzas. Ça, je voulais trop goûter. C'est la pizza, celui-là? Ouais, il n'y en a pas en France, tout ça, je crois. Dites-moi en commentaire. Non, c'est rien de spécial. Non. Ça n'a pas d'odeur. Viens, on te voit pas sur la caméra, mon père. Tu prends trop de place. Oh, connard. Mais en même temps, c'est normal que je suis enceinte. Excuse, alors j'ai pas grossi. Je trouve que ça n'a pas trop un goût de pizza. Non, moi non plus. Oh, vraiment un peu. Vraiment un peu. Ça a plutôt un goût de chips d'apéritif dans, tu vois. Ouais, ouais, c'est bon. Mais ça, c'est pas bon, oui, c'est bon. Ouais, c'est pas mauvais, mais ça a pas le goût des chips. Ouais. De la pizza. Ensuite,
Quatrième, qu'est-ce que j'ai? Cinquième. Tu le vois le 5? Ah oui. Hershey's Bar. Oh, salé pour fraises au chocolat, ça fait un peu bizarre. Hein. Donc ça, c'est oui la barre ça, tu vas aimer. Chocolatée. Donc Hershey's Cookie and Cream. Donc en fait, c'est au cookie et à la crème. Et je crois que c'est chocolat blanc. Il y en a qui disent c'est le goût de... Si toi, tu vas aimer, si c'est au goût de l'oreille. Tu viens t'entendre pour deux, je sais que t'aimes, tu vas aimer. Oh, c'est pas trop bon. Ça a bien le goût de la crème. C'est un goût de vanille. Trop bon, je vous le conseille, vraiment. On essaie d'aller un peu vite parce que sur la vidéo va durer 100 ans. Ouais, c'est bon. Parce qu'il y a... Mais c'est vrai que ça a un peu le goût de l'Oreo, je trouve. C'est bon. Ensuite, du Reese's. Donc, c'est du Reese's au peanut butter, donc au beurre de cacahuète. T'as jamais goûté, toi non plus? Non, pas non plus. Non. Voilà. Tu croques après le coup? Oh, du gros chien. Oh, par contre, l'odeur, ça pue, hein. Alors? Ouais. Il y en a qui disent que c'est trop bon, mais... Pour moi, c'est pas... Sans plus, quoi. Voilà. C'est pas... C'est pas si... Enfin, c'est bon, mais sans plus, on... C'est pas parfait comme tout le monde le dit. Il y a mieux. Voilà. Ensuite, donc on a été au 7ème, c'est ça? Ouais. Donc le 7ème article, il est où? Je vois rien en plus, tu vois, c'est bien ça. Là. Pera, ah oui. Alors moi, ça, je voulais goûter. Mais c'est à la cannelle, comme j'ai jamais goûté la cannelle. Je voulais goûter et puis on verra bien, hein, qui disent que c'est pas bon. Donc j'ai goûté. Et toi, t'as déjà goûté la cannelle? Il me semble que c'est... T'en veux plusieurs ou pas? Ou un seul? Mais vas-y, je t'en mets un. Mais ça sent bon. J'aime pas trop. Mais il y en a qui disent que ça pique les tarpins. Ça pique, mais sans plus. Non, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Il y a combien de grammes dedans? Je sais pas. Non, ça va, c'est pas mauvais, mais ça pique un peu. 8ème article. Je prends la feuille avec moi parce que tout à l'heure. Skittles tropical. Ouais, c'est un peu piquant quand même. Ouais, mais c'est pas mauvais, ça va. Bon, c'est pas trop mangé. Ouais. Bonjour. J'ai pris des Skittles parce que je sais que t'aimes ça, toi. Donc ceux-là, ils sont à... Oh, trop de calme. Je voulais t'acheter une couleur de choc, là. On peut une couleur de choc ou quoi? Il manque le bleu. Ouais. Attends. On goûte un par un ou on goûte tout ensemble? Non, on peut goûter tout ensemble. Ouais. Rose, jaune et vert. Par contre, ça colle au dents. A... Ah non, non, non. Il y a bleu... Jaune, rose, orange et vert. Bon, allez, un, deux, trois. Ça a bien goût, le truc, quand même. C'est vrai. Trop bon. Et ça change des autres Skittles. Ouais. Comme ceux-là ou quoi. Non, mais celui-là, je les ai vus la dernière fois, moi, le prix. J'ai pris des tropicales acidulées. Mais je pensais que ça n'existait pas en France, mais en fait la dernière fois j'en ai vu à Monoprix. J'avais déjà fait la commande. Donc voilà. Moi j'adore ce qui est acidulé. Donc pour cela, les tropicales, ils sont. Ah, c'est bon. Franchement. Ah, t'as vu? Viens dans ma tête, t'as vu? En fait, il y a de la poudre piquante, bâtard, je suis dans l'un de chaque.
une pâte jaune, vert, et c'est tout, je crois, non? Ah oui, voilà. Oui, les quatre couleurs, c'est bon. M'attends pas, surtout. Oh, ça pique, hein. Ouais, ils sont beaucoup acidulés. Mais ils sont bons. Je préfère cela que les tropicales. Et toi? Non, je préfère les tropicales. Les tropicales. Ben voilà. Mais c'est pas mauvais. Ensuite, on va goûter le... c'est lequel? Le jus, c'est ça? Tu veux le voir, le jus? Non, le 9. Ah là. Non, le 9, on l'a fait. C'est les Skittles. Oui. Ensuite, on va goûter les Lucky Charms. La barre de céréales. Donc ça, c'est en fait, c'est des céréales. Bah oui, je suis crème. Donc ça, tout le monde dit que c'est très bon. Donc on va goûter, on verra bien. Déjà, l'odeur... Ouais. C'est à quoi? Au marshmallow. Ouais, la vanille ou le marshmallow, d'après ce que je comprends. Mais tiens, vas-y, écoute, que je goûterai. Ouais, on sent plus la vanille qu'autre chose. Ouais, c'est vrai. Bon, on va plus sentir les céréales. Ah, c'est trop bon. Ça, je vous le conseille. Ensuite, on a pris... donc c'est le 11 maintenant. Ben, les Lucky Charms en céréales. Donc ça fait ça, j'ai pris deux boîtes. Mais bon, c'est pas grave. Mon chéri s'en chargera, je pense, s'il aime. Et moi aussi, donc c'est... Ça, c'est en fait, c'est comme la barre, mais en céréales. Ok. Viens, on te va. Désolée pour les nausées, c'est qu'il commence à faire nuit. Donc on dirait des croquettes de chien. Ouais. Attends, tu sais ce qu'on fait? On goûte d'abord un charmallon, après on goûte un autre comme ça. Donc voilà, ça se présente comme ça. Ça s'appelle une matière meringue. C'est vrai. On va goûter un truc comme ça. Donc c'est, on dirait, un peu des poissons. On goûte les deux en même temps. C'est vraiment bon. Ah, je vous le conseille, ça c'est trop bon. Trop bon. Ensuite, donc le 12, ce qui est le plus chiant, c'est chercher les chiffres en fait. Le Wonka Rainbow, Rainbow Nerds, donc on a pris des nerds. Non, on n'a pas fait le 11. Si, on l'a fait, c'est les céréales. Lucky Winky. Donc voilà, donc ça tout le monde en parle, on dit que c'est trop bon, donc on va goûter, on verra bien. Ça c'est... Les nerds. Par contre, tu vois, c'est pas foutu, elle est bien remplie sa boîte. Je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Voilà. Donc voilà. En fait, chaque couleur a un goût. Ouais. Il y en a qui disent que c'est un peu piquant. 1, 2, 3. On attend pas sur. Attends, attends. Et si, j'attends moi. Ça pique, hein. Mais c'est pas mauvais. Ça a le goût un peu, tu sais, des quoi, des colliers au moment qu'on l'avait avant. Non, franchement, c'est pas mauvais, mais ouais, c'est pas extra. Ouais. Voilà le numéro 13. Donc, on a pris. Donc, mais c'est bon. Donc, on a pris. Oh, non, c'est pas celui-là, tu vois. Des Wonka, Laffy Taffy, c'est de la marque Wonka, des Laffy Taffy. Donc j'ai pris 4 goûts, on va tous les goûter. Hein. Parce que nous on est des gros quand même. Hein. Donc voilà, et en premier on va goûter celui au raspberry. Donc cherche au raspberry, c'est lequel? C'est pas celui-là. Ça c'est chéri. C'est où que tu vois? Ah oui, strawberry. Donc, ah oui, c'est celui-là. Ficello. Voilà, donc c'est framboise bleue. En gros, c'est des ficellos. Oh, non, mais si tu te dépêches un peu, parce que la vidéo, tu retournes encore, après je pourrais pas la mettre.
Donc il y a chéri, pomme acidulée et fraise ou framboise. Voilà. Je crois que... Ah, c'est un peu la texture du camembert. Ça sent bon. Voilà. C'est pas mauvais. Mais... J'aime bien. Je trouve que le goût, il est pas... Ouais, c'est vrai qu'il est pas assez relevé. Voilà. Celui au strawberry... Donc c'est fraise strawberry. Là. C'est celui-là, non? Pas non. Celui-là. Ouais, c'est ça. Ah non, c'est framboise. Non, c'est fraise strawberry. C'est fraise. Prends celui-là, quoi, là? En fait, ouais, c'est du carambar. Du long carambar, en fait. Oh putain. Par contre, c'est pas facile, lui. C'est tout collé. Attends. Ouais, celui-là, il est dur. Oh, c'est quoi? Hein, prends un petit bout. Là, ça va. Ouais, ça a le goût de carambar à la fraise. Ensuite, le 15, c'est à la pomme. Mais je trouve que c'est pas. Ben voilà. Non, c'est bon, mais voilà quoi. En fait, c'est les bonbons qu'il y a en France. Hein. Voilà. Sauf que ça a un autre nom en fait. Voilà. Vas-y, tiens. Vas-y. Tiens. Ben, vas-y. Ils sont trop fondus. Ouais. Bon. On sent pas trop le goût de la pomme. Ensuite, eh ben, le dernier, à la cerise. Pour l'instant, le plus sucré d'entre eux, c'est, ouais, c'est celui-là. Vrai. Voilà, mais encore, je veux dire, c'est pas... Leurs bonbons sont moins sucrés que les nôtres. Enfin, je pense en fait, c'est que ça dépend. Voilà. Ouais. Par contre, celui-là, ouais. Ah, mais le goût de la cerise. Ensuite, déjà 17 minutes. Ensuite, c'est ça. Non, attends, 15. Le numéro 16. Non, c'est bon. 17. Ah oui, ben ça. Donc, c'est des Airheads. Donc, on va goûter déjà celui-là à la pomme. Le chaud, mais j'ai pas collé. Ah, ça a bien le goût de la pomme. Ça, ouais, par contre, ceux-là, par contre, ils sont meilleurs, je trouve. Ensuite, goût watermelon à la pastèque. Pourtant, j'ai déjà mangé ce soir, parce que sinon, on va se faire casser les dents. Ça a bien le goût de la pastèque. C'est la pastèque, celui-là? Ouais. Ah, ça a bien le goût de la pastèque. Oui, ceux-là sont vraiment bons. Trop bon. Mais bon, c'est quand même des goûts qu'on peut retrouver en France. Ça a le goût de chou comme ça en forme de pastèque. C'est vrai. Et le dernier, à la cerise. Bon, attends, je crois que vous avez fini. Meilleur. Ça, c'est meilleur. Celui-là, par contre, on sent bien, bien, bien la cerise. Ouais. Ensuite, on a pris deux paquets de Pop Rocks. Donc, un à la baba et un à la framboise 2. Donc, on va goûter d'abord celui à la framboise 2. Tu sais, c'est les bonbons qui pétillent.
Ça n'a pas d'odeur spéciale. Non. Non, c'est tout vert. Il est à quoi celui-là? Fromage bleu. Croque, tu vas voir comme ça passe. Ouais, c'est bon, mais peut-être on va préférer ça, on va voir. Ouais, et celui-là, moi, je le trouve bon. Ils ont... Enfin, je veux dire, ça a plus le goût. Ils ont plus le goût, ceux-là. Ceux qui viennent de... Ouais, d'Amérique que... D'Amérique que de... En France. Voilà. Ceux-là, ils sont verts et roses, en fait. Essaye de le montrer à la caméra, mon cœur. Je sais pas si on peut. Voilà. Donc voilà, ceux-là, ils sont comme ça. Je préfère ceux-là. Je préfère ceux-là, ils ont... Mais ils ont beaucoup... Ils ont du goût. Mmh. Très bon. Ils ont peur. On dirait des gamins. Ensuite, le numéro 22, c'est quoi? Je le vois. Alors ça aussi, je voulais trop goûter. C'est le Fluffy Stuff. Donc en fait, c'est là-bas, on va, il y a quatre goûts. On goûte chacun coup, on goûte ensemble. Bah, on fait moitié-moitié si tu veux. Voilà. Non, c'est pareil, même un peu chez moi. Ou tu préfères. Peut-être moitié alors, dans ce cas, si tu veux. N'importe. Ah bah, attends, je prends un peu de rose, je prends un peu de jaune, croque, et après, moi, je te passe le reste, tu me passes le reste, tu sais. Oh là là, mais belle, lui. Oh, oh. C'est bon. Tiens. Ça colle. Viens, approche-toi, t'auras pas. Ça a plusieurs goûts, t'as vu, c'est trop doux, sympa. Ouais, ça le goûte la papa quand en France. Ouais, rien ne change d'ici en fait. Voilà. Le 23ème, c'est le fluff au marshmallow, donc c'est l'avant-dernier. Ça, j'ai trop voulu goûter. On prend un goût au doigt, on va pas te cuire. Donc en fait, c'est la tatatinée au marshmallow. C'est de la pâte à tartiner. Ouais, on marche pas trop en fait. Attends, parce que... Ça va, je marche pas trop. Ouais, c'est bon, laisse, ça c'est pas grave. Goûte avec eux. Par contre, ça a l'air d'être un peu collant. Ouais, tiens, mets-le là. Mets-le là, le papier. T'avais pas le papier, c'est quoi? Tiens, vas-y, goûte. Ça fait comme de la mousse, en fait, ouais. La texture. Un, deux, trois. C'est la texture du marshmallow. Faut le jeu. Tu trouves pas que ça, tu trouves ça le goût de la marshmallow? C'est un peu le goût de la vanille, moi, je trouve. Bah, il est à la vanille. Je compte. Non, ça a pas le goût du marshmallow. Non, ouais, en fait, c'est du marshmallow, mais fondu. Mais c'est bon. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais. Tu veux en reprendre un peu? Non. Ben voilà. Ah non, je suis gomme. Et le dernier truc, c'est des chewing-gums au bubblegum. Au chewing-gum. Voilà. Ah, t'as vu, ça présente comme ça. En forme de sucre, en fait. C'est... Ouais, un peu. Ou tu sais, les bonbons aussi, là, qu'ils font. Bon, il n'y a pas beaucoup de temps. Par contre, ils sont plus gros, les chewing-gums. Ouais, ça avait l'odeur du chewing-gum.
Bon, c'est un goût de chez maman en France, quoi. Oui, voilà, là, pareil, c'est... C'est quoi ton top 3 de ce que t'as goûté? Les 3 choses que t'as aimé le plus. Ça. Moi aussi. Ça. Moi aussi. Et moi ça. Et ça. Merde. T'as la mange pas parce que ça va couler. Voilà. Ouais. Donc, voilà tout le monde. Notre vidéo est terminée. On espère qu'elle vous aura plu. On vous fait de gros bisous.